bon, on y va. J'ai déposé. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui je vais bien. Et première vidéo de l'année 2021. Du coup, le fameux bonne année à toi qui regarde la vidéo. Cette année, je pense que comme vous, on a fêté les fêtes différemment et de façon très simple. Déjà couvre-feu le 31, donc. Donc je pense que la majorité d'entre nous avons fêté ça en toute simplicité et différemment que les autres années. Du coup, je vous propose de continuer 2021 sur cet élan, hein, cet élan de simplicité. Ça, c'est un don de Dieu de pouvoir faire des cocktails bien comme ça. Ça m'a fait penser à une conversation que j'avais eue avec des amis, avec des copines. Elles se reconnaîtront. Vous voyez, à l'église, on a la chorale, on a le piano, on a la guitare, on a le... comment on appelle ça, la batterie, le tam-tam et tout ce qui va avec, et les beaux chanteurs, les gens qui ont le talent de chanter. Dieu nous a donné tout ça, donc tout ce qui est l'orchestre à l'église et tout, qui souvent, en fait, nous emmène dans l'adoration. La musique a ce pouvoir de nous emmener dans l'adoration, la louange de l'éternel, l'adoration et tout ça. Et en fait, on se disait, arrivera un jour, ou peut-être il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus la guitare, il n'y aura plus le piano, il n'y aura plus la chorale de l'église. Et tu vas te retrouver toi et toi seul, chez toi, dans ta chambre. Et tu devras chanter, tu devras louer, tu devras avoir ton intimité avec Dieu. Est-ce que tu arriverais à entrer en intimité, à ressentir, à entrer dans la présence de Dieu sans l'accompagnement des instruments, sans la belle voix du chantre? Sans toute cette atmosphère, ok, qui crée en fait ou qui favorise ton entrée dans la présence de Dieu. Une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas cracher sur ce que Dieu nous donne, hein, parce que moi, vous savez, j'aime trop chanter, j'aime trop aller dans les concerts, j'aime trop aller dans les soins de louange, parce que j'aime trop entendre le piano, la guitare, puis les gens qui ont le talent de chanter, qui t'emmènent à louer Dieu. Ah, franchement, recevez des bénédictions, parce que vous, là, vous savez pas comment vous bénissez, vous nous bénissez tout simplement. Mais, depuis qu'on avait discuté de ça avec mes amis, j'espère que vous me suivez toujours, j'ai essayé de chanter juste ma voix, juste moi, sans le piano derrière, sans le chantre, sans la guitare, juste ma petite voix, chanter des louanges que j'aime beaucoup, et puis moi, seulement moi, entrer dans cette présence, moi. Parce qu'en fait, je me dis, quand je discute avec mon mari, j'ai pas besoin qu'il y ait une mélodie derrière, j'ai besoin qu'il y ait une mélodie derrière pour parler à mon époux. Donc pourquoi pour parler à Jésus, j'ai besoin forcément qu'il y ait le piano, la guitare, le chantre, les paroles en langue, le pasteur et tout ça? Non, chez moi, seule, en toute simplicité, avec ma petite voix, je peux le faire. Et en fait, pour l'année 2021, pour moi, ce sera un peu ça. Ce sera l'année de la simplicité. Ah, parce que Dieu, il est simple. Dieu, il est simple. Jésus, il est venu sur terre. Lui qui est fils du Dieu vivant, créateur de toutes choses, le Dieu qui tient le monde juste dans une main et qui peut se mettre tout petit pour entrer dans ton cœur, ce Dieu-là, là. Ok? Son fils est venu sur terre, il aurait pu venir avec tous les anges, sous son trône qui le porte sous le trône, avec tout ton habit de royauté. Il est venu l'homme le plus simple. Simple. Pour l'année 2021, j'ai envie que tu essayes, si tu as envie, ces moments intime avec Dieu, où il n'y a vraiment que toi, ta voix et Dieu. J'ai fait l'expérience et au début, c'était difficile. Parce que moi, j'ai vraiment, en tout cas j'avais vraiment besoin d'un fond musical pour prier et tout ça. Et là, depuis quelques temps, à force, je remarque que j'y arrive autant sans musique comme avec de la musique. J'arrive à être concentrée en fait, tu vois, parce que des fois j'avais peur de partir dans mes pensées et tout. Pourtant non, j'arrive autant
sans qu'avec. Et merci Seigneur pour ça. Bref, voilà, je voulais juste te partager ça. Est-ce que tu auras compris la vidéo? J'espère que oui. Du coup, voilà, que cette année 2021 soit une année dans la simplicité. Une année dans la simplicité, mais la grandeur de Dieu. Ok. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs voeux. Que le Seigneur ait la première place dans vos vies, encore et encore. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.